Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Fire this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Qui suis-je pour lui donner des conseils? J'espérais seulement aider le garçon à obtenir ses réponses. J'ai échoué. C'est encore mon rôle dans cette histoire. Tu es au cœur de cette histoire, Tyr. Tu l'as toujours été. C'est pour cela qu'Odin t'a emprisonné en premier lieu. Tu le terrifies. Ça, permets-moi d'en douter. C'est pourtant la vérité. Pas seulement à cause des prophéties. Personne n'a pu unir les royaumes comme tu l'as fait autrefois. Je ne suis plus cet homme-là. C'est ce que tu ressens maintenant. Je me suis moi-même égarée plus d'une fois par le passé. Mais crois-moi, ce n'est jamais la fin. Que veux-tu dire? Il te faut un but. C'est cela qui te permettra de te retrouver enfin. Alors, tu voudrais que j'accepte mon sort, que je mène vos armées à la guerre et assure votre vengeance? Si nous assurer la justice n'est pas ton but, trouve-t'en un autre, dans ton propre intérêt. Eh bien, salut à toutes et à tous, amis, c'est pas donc c'est tout pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur God of War Ragnarok. Si tu es prêt à aller voir les normes, je t'accompagne. Sinon, je me repose. On se retrouve aujourd'hui avec Kratos. Je vous rappelle que la dernière fois, on était avec Atreus. Atreus qui a rejoint Asgard, littéralement. Donc, on est parti du coup pour... Un instant, j'ai quelque chose pour toi. Sindri, j'arrive. Avant que tu repartes te balader au point du jour, j'ai pensé que t'aimerais retrouver ceci. Oh, pas la peine de laisser exploser ta joie. Enfin, de rien. J'ai ce dont nous avons besoin pour trouver les Nornes. On y va? Bien sûr. Ok, bon. Ouais, mais notre bouclier est mieux. Désolé. 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 Nifog, je crois que nous allons devoir assumer certaines conséquences. Bon, allez. C'est parti. On est parti essayer de retrouver Atreus. Enfin, aller voir les normes pour essayer de retrouver Atreus. Bah alors, bah. Ok. Bon. Sommes-nous sûrs qu'Atreus n'est plus ami de garde? J'en reviens, et je n'ai pas trouvé trace de lui. Si Odin l'a invité, il doit lui avoir offert un moyen de... Non, ce n'est pas la seule explication. Dis-moi où trouver ces Nornes. J'ai découvert des fils qu'elles ont tissés près du lac gelé. J'en ai caché un qui aurait pu servir à créer un sort, mais nous pourrions aussi l'utiliser pour les localiser. N'oublie pas, elles ne veulent pas qu'on les trouve. Enfin une mission difficile, ça ne change pas. Ouais, enfin... Prenons ton traîneau et rejoignons le lac. Kratos ne sait pas que Atreus fait ça aussi pour le protéger. Bon, après... Ce vent glacial et ses attaques incessantes de maraudeurs m'avaient manqué. Il y a des intérêts de deux côtés. Kratos responsable de Fimbulwetter. Ils pensent que sa mort y mettra fin. D'où a bien pu leur venir une idée pareille? De moi, bien sûr. Bien sûr. Au pied. Silence. C'est une amie, pour l'instant. Il vaut mieux que toi, tu leur donnes. Quand les louves auront trouvé la piste des Nornes, nous n'aurons plus qu'à les suivre. Je vais ouvrir le portail. Bon! Assez de gémissement. Leur fourrure est emmêlée. Il y a longtemps que tu les as brossées. Une fourrure emmêlée attire les maladies. Prends soin d'elles et elles prendront soin de toi. Mon frère, que comptes-tu demander aux Nornes exactement? Comment retrouver mon fils? Rien d'autre. Allez, on est parti! Pas là une occasion de tirer au clair cette histoire de prophétie.
d'obtenir un second avis concernant ton supposé trépas. Tu ne m'as pas dit qu'on avait annoncé ta mort. Lorsqu'Atreus et moi sommes arrivés à Jotunheim, nous avons trouvé une fresque dissimulée. Les géants et Fey avaient prédit notre voyage depuis longtemps. Qui nous allions rencontrer, qui nous allions combattre. Tout s'est déroulé comme ils l'avaient prévu. Mais tu n'es pas mort. Cette image représentait un futur à venir. Je vois. Je n'aurais pas cru que tu craindrais la mort. Là n'est pas le problème, n'est-ce pas? Non. La mort pourra me prendre quand elle l'aura mérité. Alors ce n'est peut-être pas l'avenir qui te perturbe. Fey t'a mis sur cette voie et a veillé à ce que tu découvres la fresque. Et tu ne sais toujours pas. Je ne souhaite plus en parler. Maintenant qu'on a rejoint le lac, comment trouve-t-on les Nornes? Observe les louves. Leur tête indique la direction à suivre. Ok. Le lac des Neufs a clairement connu des jours meilleurs. Les maraudeurs ont certainement pris leur sort. Je ne suis pas revenu depuis notre grand combat contre Sigrun. Elle aussi est élogieuse sur ce combat. Ok. Allez, on avance. Elle m'a tout raconté lorsqu'elle m'a trouvé. Par là. Je pensais que nous pourrions nous allier. Bien avant que je le réalise. La reine des Valkyries. Une alliée. Je suis la reine des Valkyries. Comme Sigrun n'a pas manqué de me le rappeler. J'aurais dû me douter que c'était Sigrun qui t'aidait à te rétablir. Elle est si royale. Ok, on est arrivé. Et brillante. Et brillante. Pas besoin d'être une déesse de l'amour pour comprendre où tu veux en venir. Allez! J'espère que les Nornes vivent à l'abri et au chaud. Une chose est sûre, Midgard, en plein Fimbulvetr, ne m'avait pas manqué. Oh non. Nous le saurons. Derrière toi, en garde. On te pousse. Oh, et puis hein. Merde hein. Aïe. Dégage! C'est bon! Je pense qu'il est mort. Ok. Une barrière magique nous empêche d'avancer. Quelque chose ici alimente son pouvoir. Un pommeau d'épée. Mon frère, je connais cette poignée d'épée. Sois prudent. Tu es bien placé pour savoir que les armes peuvent abriter l'esprit. Wow! Si ça ne nous aide pas à trouver les normes, ça attendra. Exactement! Atreus en premier. Bon, même s'il fait le con. Atreus en premier quand même. Trace d'une de leurs illusions. Je peux tenter de la dissiper. Même s'il fait le con, Atreus en premier.
Bravo, bien joué. Il n'y a rien ici. Une fausse piste. J'en ai bien peur. Voyons ce que les louves peuvent trouver d'autre. C'est du Norn tout craché. Elles savent que nous les cherchons. Je t'avais dit qu'elles n'apprécieraient pas. Que vient faire la poignée d'épée d'un roi maudit dans l'histoire? Diversion, coïncidence, que sais-je. Elles diront sans doute que nous étions destinés à la trouver. Quoi? Ouais, mais ils sont où les loups? Là. Ok. Donc faire une odeur. Ce fil du destin que nous suivons. Ce n'est pas la vie de quelqu'un, si c'est ta question. Les Nornes s'en servent pour se repérer lorsqu'elles sortent. Les Nornes vivent dans un puits. Non. Le puits d'Urs, où elles résident, est difficile à expliquer. Garde ça pour plus tard. Je crois qu'elle combat. C'est quoi ça? Aïe. 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 Oups. Je crois que je suis mort. Bon, on y retourne. J'avais pas le loqué. Voilà. Non, ça va pas. Non, ça va pas. On est dans la merde. Ah ouais, non mais... Aucun... Ah ouais, non mais... On va y arriver. Je vous jure, on va y arriver. Quand, je sais pas, mais on va y arriver. Non, bon. On va retenter. Oula. Reprends-toi, mon frère, tu peux le faire. Aïe. Ah purée, mais lope-le, Kratos. Mais non! Ah! Bon, on va se casser. On va se casser, tant pis. On n'arrivera pas à le faire. Pas grave. Allez hop. Comme je le disais. Les Nornes résident en un lieu appelé le Puits d'Urs. Ce n'est pas un lieu fixe. Ses accès vont... Wouhou! On peut déraper! Trop bien!
YOLO. Bref, allez, on arrête. Mais si nous y entrons ensemble, serons-nous chacun dans l'esprit des autres? Je ne suis pas sûr d'en avoir envie. Mimir, tu as déjà rencontré cet homme. Pas personnellement. C'est... ouais. Ok. Le don de décourager les visiteurs. Odin a lui-même essayé. Il n'a jamais dit ce qu'il a fait. Si de tourner en dérapant, c'est impossible. Freya, peux-tu nous décrire ce que tu as vécu la dernière fois que tu as vu les Nords? À vrai dire, les détails sont flous. C'était comme sortir d'un rêve. Je me souviens surtout que je ne pouvais rien pour changer le sort de mon fils. Je n'en fus que plus déterminé à essayer. Ah, je suis bloqué! Voilà. Bonjour. Donne-moi le coffre. Je ressens quelque chose dans cette direction. Mais quoi exactement? Une autre illusion. Pardon. Les normes cachent quelque chose. Bah écoute, vas-y. Oh, il n'y a rien. Rien. Encore une impasse. On continue. Un piège. Wow. Tu te calmes, oui. Moi aussi, je t'ai tapé, hein. Te calme, oui. Voilà. Attends, parce qu'il y a un truc en toi, là, dans l'histoire. C'est bon? Tu crois qu'on t'a pas vu, toi? C'était le dernier. On est reparti. Notre quête ne deviendra que plus dangereuse. Alors, continuons. Retournons au Louvre, alors. On est reparti. Dans la joie, et la prospérité et la bonne humeur. Repérer une nouvelle piste. Continue d'observer leur plan. Qu'en est-il de ton histoire, mon frère? Tu as rencontré les Parks de ta terre natale, c'est ça? La légende que j'ai entendue sur le fantôme de Sparte est clairement exagérée. Exagérée? Pas la partie sur la fureur vengeresse et sanguinaire, mais celle qui dit que tu as remonté le temps pour remporter une bataille que tu avais perdue. Ça semble difficile à croire. Que Thor ait projeté le serpent monde dans le passé depuis le Ragnarok passe encore. C'est la vérité. Les fils du destin lient les êtres et le temps. Les sœurs du destin abusent. Par là. Quand je les ai défiées, elles ont menacé de défaire mon existence. Je les ai donc tuées et j'ai retourné leur pouvoir contre Zeus. C'est la chose la plus dangereuse et inconsidérée qu'on m'ait racontée. Nos Nornes ne disposent pas d'un tel pouvoir. Ni personne dans tous les royaumes d'ailleurs. Oui, vous imaginez. Si ce pouvoir existait, Odin le détiendrait. Et si Odin le détenait, nous serions dans une merde bien plus noire encore. Les loups nous ont conduits ici. Tu deviens vulgaire, Mimir. Merci. Nous devons trouver un moyen de monter. Tu deviens vulgaire, Mimir. Voilà. Ouais, Mimir, il devient vulgaire. Que ça c'est ta Mimir. Euh,
Ouais, mais attendez. Là. Peux-tu nous tailler un passage dans la glace? Oh, les Nornes se sont mises à faire des murs de glace magique. Non. Je pense que l'eau a simplement gelé. Pardon, j'ai regardé, c'est pas le bon mur. Encore tes amis. Je ne leur ai pas demandé de venir. Attention. Wow! Moi aussi je peux taper. Bonjour. Comment les Nornes ont persuadé ces maraudeurs de les protéger, même s'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font réellement. Bonjour, comment allez-vous? Ah! On se défoule sur des mobs. Merci pour ton aide. Je sais que ce n'était pas ta priorité. Plus vite nous retrouverons ton fils, plus vite tu arriveras à te concentrer. J'espère que ça va marcher. Moi aussi. C'est bon ce que tu dis, mon frère. Mais attends donc qu'on soit... Pour une fois, pour une fois qu'il dit merci. C'est bon. Oui. Aïe, je me trompe de bouton. Bon, ça arrive, hein. Non. Qu'à moi. Comment ça, qu'à moi. Vous étiez facile en fait. Allez. Rip. Vol, petit oiseau, vol. C'est bon? Ça me semble bon. Bon. Oula, pardon. Oh. On l'a trouvé. Ah, et seulement au bout du troisième essai. Vous entendez ce murmure épouvantable? C'est comme une démangeaison de l'esprit. C'est que nous sommes entrés dans leur domaine. Soyez sur vos gardes. Des illusions. Des projections, peut-être. Mais ne présumons de rien. Ces autres créatures ignorent qu'elles leur servent de garde. Formidable. Tac. Ok, là-bas, on a un coffre. Kratos.
fantôme de Sparte. Dégage! Il prend pas de dégâts, prends tes coups! Dégage! Voilà. Sommes-nous dans nos esprits là? Car il m'a paru pour toi réel. Ce qui se passera dans ton esprit sera tout aussi réel, malheureusement. Il perdait ce passage vers l'extérieur. Deux secondes. Il y a un petit coffre là. On continue. Alors. Bonjour. Hola. Doucement, tu calmes. Cet endroit m'est presque familier, mais il est différent. Et un souvenir hostile, qui plus est. Ces moires devraient savoir qu'elles ne me dissuaderont pas. De la thune. Pas ce qui était prévu, mais bon. Je sais pas ce que je tape, mais je tape. Tac, on va prendre le coffre. On peut pas. Pourquoi on peut pas? Parce qu'il y a vous. Bon, t'as fini? On peut jouer sinon, tu le dis.
ça teinte comme du véritable argent haché. Deux secondes. On s'est bloqué le coffre, on doit aller le chercher. Non mais où? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parfait. De la thune. C'est une bien maigre consolation après un tel calvaire, mais au moins nous n'aurons pas à nous présenter. Ne surestime pas ta réputation, Mimir. Elles lisent la vie entière de quiconque les approche. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Un amalgame! De la magie folle! Lise ton cœur unique! Oh, ma part! Regardez-y! Ouais, mais j'ai pas de vie en plus! Au! Allez! Allez! Ok! Plus qu'à finir! Et t'es fini. Tant mieux parce qu'on avait, comment dire, pas beaucoup de vie. On avait, comment dire, plus de vie. Bon, on continue. Ok. Tac, on va vite faire chercher le coffre. De toute façon, faut qu'on aille par là en fait. Encore ces démangeaisons. J'aime que des femmes me susurrent des mots à l'oreille, mais celles-ci sont particulièrement agaçantes. Es-tu conscient que tu parles beaucoup quand tu as peur? La peur? Sache que je suis tout au plus foncièrement inquiet. Et rompre la tension par l'humour est le devoir sacré de tout compagnon de voyage. Je t'en ficherais, moi, de la peur. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on disait, Bibi. Tu n'as pas peur. Bien sûr. Une porte. Oh, ça fait très officiel. Oh! Oula! Oula! Écoute-moi, je t'en prie. Arrête! Pourquoi l'as-tu conduit ici? Vous n'êtes pas les bienvenus ici! Non! Baldur, reviens! Parle-moi!
Oh. Ouais, mais vous êtes combien? Mais ils sont des millions! Ok, pour moi, faut dire que t'arrives. Ok, les souvenirs de Mimir maintenant. Elle s'imagine que j'ai la moindre envie de retrouver cette carcasse. Attends, mon frère. Pourquoi tu ne t'es jamais pressé contre Dara? Mais je l'ai fait. J'ai fait tout mon possible pour l'arrêter. Tu as servi Odin du jour où tu l'as connu. Étais-tu l'ami de Freya lorsqu'elle s'y offrait? De Skadi, de Gros, ou de Titania? Tu as toujours été du côté des hommes de pouvoir qui les asservissaient. Mon frère, il en vient d'autres. Même aujourd'hui, tu vois un dieu brutal en détresse, et tu ne peux t'empêcher de l'aider et de l'appeler ton frère. C'est un indifférent. Ainsi tu es. Arrête! Moi. Ok. Ce n'est pas elle. Non. Bien sûr. Tu as fait ce qu'il faut. Mon frère, l'arme, il m'a tué. Mimir. Oh merde. Atreus. Père de dos, aide-moi, c'est un monstre. Quoi? Oh la vache. Je crois que c'est terminé. Avons-nous réussi l'épreuve? Je n'ai pas le sentiment d'avoir réussi. Je vois que la porte a disparu. Ou elle n'a jamais été là. Elle joue encore avec nous. Une kelpie. Il est rare d'en voir dans ces contrées. Elle doit leur appartenir. Nous mènera-t-elle à elle? Je vais lui demander, gentiment. Tout doux, ma belle, tout doux. C'est ça. Stylé. Souhaites-tu parler de ce que t'ont fait subir les normes? Non. Montez.
Gentille fifille. Des créatures adorables, mais au tempérament capricieux. D'où je viens? On disait aux enfants qu'une kelpie les ignorait s'ils s'approchaient des locs. Bien sûr, aucune kelpie ne ferait une chose pareille. À moins qu'on l'ait d'abord insulté. Ok, ça marche sur l'eau. Elle marche sur l'eau. Oui. Il n'existe pas ce genre de destrier marin en Grèce, mon frère? Il y avait des hippocampes, serviteurs du dieu des océans. J'en ai affronté un sur un titan. Elle n'a pas l'air d'aimer cette histoire. Stylé! Joli! Nous y voilà. Bon. Entre du destin. J'ai toujours su qu'on y arriverait. Bon. Kratos, Freya et la tête de Mimir. Pénètre dans le foyer des Nornes, d'un pas hésitant. Ils sont enfin arrivés à destination. Kratos parle le premier. Je cherche mon fils. Tu sais que le garçon se trouve à Asgard. Non, tu cherches. Ce que cherchent tous ceux qui nous recherchent. Tu veux connaître la fin de ton histoire? Le fantôme de Sparte fronce les sourcils d'un air menaçant. Il résiste à la tentation de grogner. Oh, il cède. Vous venez à nous, piètres archétypes, pour vous libérer de vos rôles comme si... Connaître vos répliques vous permettait d'en changer les mots. Parle sans détour. Tu mourras, Kratos de Sparte. Mais vous l'avez appelé destructeur du destin. Il doit bien y avoir un moyen de changer sa destinée. La destinée n'existe pas, Farfadet. Les protagonistes restent quoi? Ils ne comprennent pas. Il n'existe pas de dessein suprême, il n'existe aucun rôle, il n'existe que des choix. Que les vôtres soient si prévisibles nous ferait presque passer pour devineresses. Quand mon fils est né, taisez-vous! Votre prophétie disait qu'il mourrait inutilement. Et c'est arrivé. Parce que tu n'as pas su le laisser partir, parce qu'il avait soif de vengeance, et parce que tu tues des dieux. Mais ce qu'a fait Kratos, ce n'était pas par haine. Oh, devrais-je donc lui donner une couronne? Il continue d'éliminer des dieux, mais il n'y prend plus aucun plaisir. Vous êtes la somme de vos choix, rien de plus. Et puisque les tiens sont immuables, tu apprendras qu'Emdal compte tuer ton fils à Asgard. Et tu feras ce que tu sais faire de mieux. Puis le Ragnarok viendra. Le ciel s'embrase, le rideau tombe. Exeunt omnes. Emdal. Une fois de plus, il se méprend. Privilégier le deuxième acte au détriment de la conclusion. C'est une erreur fréquente de narration. Nous partons. Il s'éloigne, suivi de près par Freya. J'ai apprécié ton histoire, Kratos. Dommage qu'elle se termine si vite. Eh bien, voilà qui était instructif. Super. Emdal veut tuer Atreus. Super. Quittons cet endroit. Avec plaisir.
ça. Je sens déjà les choses revenir à la normale. Attendez. Cet arbre. Voilà qui est curieux. Qu'est-ce que c'est? Un nœud coulant, mon frère. Celui-là même auquel Odin s'est pendu. L'une des étapes de sa folle et interminable quête des secrets de la vie, la mort et que sais-je encore. Qu'est-ce que tu fais? C'est un objet particulièrement important aux yeux d'Odin. Je lui trouverai peut-être une utilité. Mon frère, ce qu'elles ont dit au sujet du garçon... n'arrivera pas. Oh, je suis d'accord. Cela n'arrivera pas. Nous l'empêcherons. Évidemment que nous l'empêcherons. La question est de savoir comment. Tu n'envisages sérieusement pas de tuer Heimdall, j'espère. Je ferai ce que je dois faire. Ah, c'est donc ça. Tu aurais tort de l'en dissuader, Mimir. Tu connais Heimdall. Je te l'accorde. Ce fumier est horriblement vicieux. Et fidèle. Mimir, il te lâche. Si nous avons la possibilité de l'éliminer avant le Ragnarok, alors n'hésitons pas. Avec son don de clairvoyance, que cette possibilité se présente est déjà plus qu'incertain. Bon, et bien sur ce, les amis, j'espère en tout cas franchement et sincèrement que, pardon, cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne de la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci à tous, c'était Para. Rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure sur God of War Ragnarok. Allez, merci à tous, c'était Para. Salut tout le monde! Allez, ciao ciao! Bye bye tout le monde! Salut tout le monde!